L'univers est constitué de plusieurs centaines de milliards de galaxies, et chaque galaxie elle-même contient plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Donc c'est beaucoup d'étoiles, et là je vous montre l'étoile la plus proche de nous, le Soleil, notre étoile. Cette étoile, comme toutes les autres, eh bien, est née, vit un certain nombre de millions ou milliards d'années, et va ensuite mourir. Les étoiles les plus massives vont vivre quelques centaines de millions d'années, les étoiles les moins massives vont vivre quelques dizaines de milliards d'années. Dans 5 milliards d'années, le Soleil va grossir énormément, va devenir une géante rouge, lorsque le carburant en son cœur va s'épuiser, et un peu plus tard, le cœur va s'effondrer sur lui-même, l'étoile devient donc une naine blanche, ce qu'on voit ici, et en même temps, elle va éjecter toutes ses couches extérieures pour former ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Ça, c'est l'évolution normale d'une étoile, en gros de la masse du Soleil. Des étoiles plus massives vont, elles, donner naissance soit à une étoile à neutrons, au centre ici. Si elles sont encore plus massives, elles vont donner naissance à un trou noir. Ce qui se passe, c'est que la plupart des étoiles ne vivent pas toutes seules. La plupart des étoiles vivent en couple, dans des systèmes qu'on appelle les systèmes binaires d'étoiles. Et l'une des étoiles va évoluer plus rapidement que l'autre. Elle va mourir avant l'autre, donc elle va devenir naine blanche, étoile à neutrons ou trou noir avant l'autre, pendant que l'autre continue sa vie normale d'étoile. Et c'est à ce moment-là qu'il peut se passer des phénomènes assez spectaculaires et énergétiques, puisque la matière va être attirée vers l'objet compact, donc vers la naine blanche, vers l'étoile à neutrons, vers le trou noir, et cette matière-là qui est attirée va s'accumuler en frottant, avec du frottement visqueux, va s'accumuler sous la forme d'un disque d'accrétion, et ce frottement va chauffer la matière à des températures de plusieurs dizaines de millions de degrés, ce qui va donc donner naissance à des rayonnements très énergétiques, des rayons X principalement. Ma recherche porte sur des systèmes binaires de haute énergie, donc une étoile dont la matière est attirée par un astre compact, qui peut être une étoile à neutrons ou un trou noir, et particulièrement sur ce type de jet qui est entouré par un cocon de poussière, donc qui est caché par beaucoup de poussière. C'est ce qu'on voit ici, donc des objets détectés il y a 2 ans. La poussière nous empêche de savoir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de ces objets-là. Donc, ces objets sont détectés dans les hautes énergies, mais pour pouvoir percer les secrets de ces objets, je dois les observer dans l'infrarouge moyen, ce qui me permet donc d'analyser un petit peu cette poussière, sa température, sa densité, et ensuite d'en savoir plus sur vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Auparavant, on observait avec des lunettes astronomiques. C'est-à-dire que les rayons lumineux arrivaient sur une lentille, ils traversent la lentille, ils sont donc réfractés sur une deuxième lentille qu'on appelle un oculaire, et là, et donc ils arrivent au foyer, et on peut mettre son œil et regarder directement le rayon lumineux qui est à traverser donc cet engin optique qu'est la lunette astronomique. L'observation avec une lunette astronomique a duré jusqu'au début du XXe siècle, l'observation professionnelle, et la dernière lunette la plus grande du monde, c'est la lunette de Yerkes, à côté de Chicago, qui était en fait un monstre. C'est-à-dire que c'était vraiment les limites de construction des lunettes qu'on pouvait atteindre. 1 mètre de diamètre pour la lentille, 18 mètres de focale, donc la distance entre la lentille et l'oculaire, et 6 tonnes. Donc on arrivait vraiment aux limites de construction de flexion des matériaux, etc. Elle a quand même servi pour beaucoup de choses, elle a permis de découvrir beaucoup de choses intéressantes, mais on ne pouvait pas aller plus loin. Et donc pour aller plus loin, pour récolter plus de lumière, il fallait agrandir la surface collectrice, et pour cela il fallait passer à un autre système d'observation qui est le télescope, ce qu'on utilise actuellement donc dans tous les observatoires. Alors un télescope, c'est différent. Cette fois-ci, les rayons lumineux vont être réfléchis
par un miroir primaire. Ils vont ensuite être de nouveau réfléchis par un miroir secondaire. Et là, ils vont arriver au foyer où on peut mettre l'œil, comme le font les amateurs pour observer, ou alors on peut mettre un instrument qui va récolter donc ces rayons lumineux et qui va observer donc dans différentes longueurs d'onde. Alors, en effet, jusque au milieu du XXe siècle, on ne pouvait observer que dans le rayonnement visible, c'est-à-dire le rayonnement que l'œil voit, centré sur le jaune parce que c'est principalement le jaune qu'émet le soleil. Et donc, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, depuis le violet jusqu'au rouge, voilà ce qu'on voyait. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, l'homme a pu observer dans le rayonnement radio, et en gros, à partir des années 60, l'homme a pu observer dans les rayons X, un petit peu les rayons gamma. Et maintenant, on a une couverture à peu près complète du spectre électromagnétique, c'est-à-dire qu'on peut observer de la radio jusqu'au rayon gamma, incluant donc évidemment le visible, l'infrarouge et l'ultraviolet. Alors les objets que j'étudie sont détectés par le satellite qu'on appelle intégral, qui observe dans les hautes énergies, un rayon X, rayon gamma, mais puisqu'il y a ce cocon de poussière tout autour, pour arriver à mieux comprendre ces objets, il faut moi que je les observe en infrarouge moyen, c'est-à-dire dans cette partie-là du spectre, et pour cela, donc, il faut que j'accède à un télescope qui a un instrument qui observe l'infrarouge moyen. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il y en a un qui se trouve au Chili, et ça tombe plutôt bien, puisque les objets que j'étudie sont visibles dans le ciel de l'hémisphère sud. Buenos días, soy Silva Chatti. Hola, Silva. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo ha estado? Bien. ¿Qué tal el viaje? Oh, muy bien, el viaje. Qué rico. Todo pasó bien. Seguimos a tu salud, chiquillo. Good. So you are going to observe, or you come down? Just now, yeah. Tomorrow morning. Tomorrow. 3 weeks. 3 weeks. So that's also the Danish, yeah. Yeah. Danish. We were there for 4 months in total. It's my first bit of observing, my first bit of spectrometry, and. And your first time in Chile, actually. Second time in Chile. Second time? I've been here for a conference, so. Oh, okay. Oh. I missed but you not the first time, you know. No. Mm. No, not at the mountain, no.
observatoire est situé ici sur la montagne La Silla, hein, le Cerro La Silla, tout simplement parce que c'est la montagne qui bénéficie des conditions d'observation les meilleures. Alors les critères de choix, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est assez évident, c'est essayer de trouver un lieu où il n'y ait aucune pollution. Et alors, surtout, ce qui nous embête, nous astronomes, c'est la pollution évidemment lumineuse, parce que c'est ce qui va nous empêcher d'observer les étoiles faibles. Un autre critère important, c'est l'altitude, puisque ce qui nous gêne quand on observe, c'est l'atmosphère. Donc le mieux serait de se trouver directement à 10 km pour qu'il n'y ait plus d'atmosphère du tout. Évidemment, c'est plus compliqué au niveau logistique. Donc on se place sur le sol, mais le plus haut possible. C'est pour ça que les observatoires se trouvent par exemple à Hawaï, à 4000 mètres, ou ici, à 2200 mètres à peu près. Donc un endroit désertique, où il fait beau la plupart du temps, et assez haut en altitude, est un bon candidat pour être un observatoire. Alors ici, on voit en effet énormément de coupoles. Les plus petites que vous voyez au fond là-bas sont en fait les premières qui ont été construites donc au début des années 60, des télescopes de 50 cm de diamètre, donc très petits par rapport à ce qu'on fait maintenant, comparé aux 8 mètres du VLT par exemple. Plus on s'approche vers notre position, plus on voit des télescopes qui sont de plus en plus grands. Ici, on se trouve en fait sur le plus grand, hein, le 3,60 m de diamètre. Vous pouvez voir ici le NTT, le New Technology Telescope, qui fait 3,50 m de diamètre et qui est en fait le prototype des télescopes du VLT. C'est-à-dire qu'il utilise, lui, là, il est fait selon la nouvelle technologie, alors que tous les autres, et celui sur lequel nous nous trouvons actuellement, appartiennent à l'ancienne génération des télescopes. La chose qui me fascine le plus, c'est de voir justement que des hommes qui, a priori, ont au départ des besoins assez primaires, de manger, de dormir, etc., arrivent à construire des choses comme ça, à mettre beaucoup d'argent dans des choses qui sont pacifiques et qui permettent d'augmenter la connaissance humaine, mais évidemment à long terme, puisque ce n'est pas du jour au lendemain, ni sur une échelle de quelques années, que la connaissance humaine sur l'univers fait un pas de géant. Donc c'est un peu chaque observatoire est un pari sur le futur pour essayer d'apporter de nouvelles connaissances. Et on le voit d'ailleurs avec cet observatoire-là, donc qui a été inauguré en 1963. On voit bien que maintenant il est, malheureusement je dirais, mais en même temps c'est normal, un peu dépassé par les nouvelles technologies, mais c'est un petit peu la vie normale d'un observatoire qui dure quelques décennies et qui ensuite laisse la place à d'autres observatoires pour pouvoir aller plus loin dans cette connaissance humaine. Cette émotion que je ressens là, je la ressens que quand je vais dans un observatoire astronomique. C'est une émotion assez diverse, parce que c'est d'abord l'émotion d'arriver dans un observatoire pour la première fois, de le découvrir. Je ne sais pas trop justement comment ça se passe, qu'est-ce qu'on passe en premier pour pouvoir accéder à cet observatoire, ensuite quelle est la première vue qu'on a de cet observatoire, est-ce qu'on voit les télescopes de loin, enfin, j'imagine plein de choses, mais c'est vrai que je ne sais pas exactement comment c'est. Mais c'est aussi une émotion un petit peu de par rapport à ce que je vais observer, c'est-à-dire que j'ai trois nuits et je ne sais pas le temps qu'il va faire. Là, je vois des nuages au-dessus de moi, donc c'est vrai que ça ne m'encourage pas beaucoup à me dire qu'il va faire beau. C'est aussi j'ai un peu cette nervosité là de me dire que bon, je vais peut-être arriver et ne rien observer. Passer les nuages,
J'ai l'impression qu'ils ont disparu même en bas. Donc, je crois pas que ce soit seulement l'altitude. Par contre, la route est encore mauvaise. Là, c'est la dernière ligne droite. On devrait les voir apparaître d'un virage à l'autre. Là, c'est impressionnant parce qu'on est vraiment dans le désert. Il n'y a rien. On a une route qui est très bien goudronnée, très bien signalisée. Et on a l'impression que ça sert à rien, puisqu'on voit rien. C'est ça qui est le plus étonnant. Et l'autre chose qui est étonnante, c'est qu'on n'est pas loin de la mer et... On a ce désert qui est le plus aride du monde. On a l'impression de monter vers le ciel. Ah ben voilà, et on les voit là. Les quatre télescopes. Alors c'est assez drôle parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à ça, j'attendais plutôt à voir la montagne et les quatre télescopes dessus. Et là on voit les quatre télescopes avant de voir la montagne où ils sont. Voilà. Alors on voit le Cerro Paranal coupé complètement. Et les quatre télescopes blancs là qui réfléchissent la lumière avec le. Là c'est impressionnant. Quoi. Donc, le Cerro Paranal, il faut vraiment s'imaginer qu'avant, il n'y avait pas ce télescope, il y avait la montagne. Et qu'ils ont complètement coupé pour mettre ça. Donc ça, il y a plusieurs modes d'observation avec ces télescopes-là. On peut utiliser chacun des télescopes. Pour observer, ils peuvent chacun observer un objet différent, ou alors on met les quatre télescopes ensemble pour faire l'interférométrie, ce qui est à peu près l'équivalent d'un télescope de 16 mètres de diamètre, ce qui évidemment n'existe pas sinon aujourd'hui dans le monde. Ce qui est le plus visible, c'est le miroir primaire qu'on voit juste en dessous. Ce qui est assez étonnant ici, c'est l'aspect dépouillé de ce télescope. C'est-à-dire qu'il est, je dirais, presque réduit à son minimum vital. C'est-à-dire que l'air passe à l'intérieur sans problème. Il ne va pas s'accumuler. Il ne va pas y avoir de sorte de tourbillon à l'intérieur du télescope, ce qui pouvait être le cas avant dans les télescopes avec des tubes fermés. On voit passer le bras de la monture azimutale, juste devant nous. Ah non, c'est un télescope de 8,20 m de diamètre sur monture alt azimutale. Donc le miroir que l'on voit juste en bas, donc 8,20 m de diamètre, 17 cm d'épaisseur, c'est un miroir donc très fin. C'est évidemment une prouesse technologique d'arriver à faire un miroir aussi fin sans qu'il se casse. Alors le miroir est assez rigide pour qu'il n'y ait pas de déformation ou très peu de déformation
quand il est en position verticale, mais en même temps il est assez flexible pour pouvoir corriger le miroir sur le faux, le déformer en fonction des conditions d'observation, du ciel, et en fonction aussi de la position du miroir. Et tous les petites choses noires que l'on voit tout autour du miroir primaire, ce sont des sortes d'actuateurs qui, en cas de tremblement de terre assez fort, hein, accrochent le miroir. Alors ça y est, on voit le télescope donc, qui commence à bouger. Alors la manœuvre qui est faite tous les soirs, le miroir primaire va se mettre en position verticale et cela permet d'ouvrir le dôme sans qu'il y ait de poussière qui tombe sur le miroir. Donc là, on commence à voir le reflet un peu de tout l'édifice hein, sur le miroir primaire. On voit aussi ce tube avec le petit miroir. Donc pour l'instant, il est ouvert pour permettre les rayons lumineux qui ont été d'abord réfléchis par le miroir primaire, ensuite par le miroir secondaire, de les permettre de passer directement à travers le miroir primaire, donc sur l'instrument visir. On voit s'approcher donc ici le miroir secondaire hein, qui renvoie les rayons lumineux après avoir été réfléchis par le miroir primaire, qui les renvoie sur l'instrument visir. Cet instrument visir, c'est toi et bon, une grande équipe hein, qui l'ont conçu, réalisé. Est-ce que tu peux expliquer comment on fait pour d'abord proposer, concevoir, réaliser un instrument pour les eaux? Oh, c'est une longue histoire, hein. Les débuts de visir, ça remonte à 1992. C'est-à-dire que l'ESO a fait un plan instrumental associé à ses quatre grands télescopes de 8 mètres. Et a fait un appel à idées, quel type d'instrument la communauté scientifique voulait pour ces grands télescopes. Et nous, on a répondu, une lettre d'intention, nous avons l'intention de proposer un instrument dans le domaine d'infrarouge moyen. Donc c'est ce domaine qui t'intéresse pour tout ce qui est les poussières de l'univers et aussi le gaz. Cette lettre d'intention, l'ESO a considéré le cas scientifique avec ses scientifiques et a en effet dit cet instrument est intéressant. L'ESO a demandé de montrer qu'un instrument était faisable. Alors la difficulté de cet instrument, c'est déjà le refroidir. Les détecteurs, l'instrument est à très basse température. Moins de 170 degrés Celsius, presque le zéro absolu. Et pour cela, vous entendez du bruit là, il y a un certain nombre de machines, il y a trois machines à cycle fermé qui refroidissent ce détecteur. Nous, à Saclay, on a fait l'imagerie, on s'est occupé des détecteurs, de tout l'aspect cryostat, de toute cette grande cuve dans laquelle il y a le vide et le froid. Et on a intégré l'ensemble de l'instrument à Saclay. Il y a eu plus d'une année de tests à Saclay avant d'envoyer l'instrument ici au Chili. D'accord. Et l'instrument, il a été envoyé comment? Par avion, par bateau? Alors, il a été envoyé par avion et tout intégré. On s'était posé la question, est-ce qu'on le démonte? Parce qu'il y a des parties fragiles à l'intérieur, notamment tous ces mécanismes pour tourner les roues, etc. Et puis, on s'est dit, il y avait une spécification de l'ESO qui était de résister au tremblement de terre. Ouais. Donc, étant donné que ça doit résister au tremblement de terre, on a dit, un bon test, c'est quand même le transport. Pendant le transport, il y a un certain nombre de vibrations, etc. Et si l'instrument est bien conçu, il doit survivre au transport. Et en effet, il est arrivé ici, on l'a monté sur télescope, on a mis en route les pompes pour refroidir. Et quelques jours après, c'était opérationnel. On était vraiment très, 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 très satisfaits de l'ensemble. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de refroidir autant cet instrument à moins 270 degrés? Eh bien parce que toi, moi, tout le monde, le télescope, l'atmosphère rayonnent énormément d'émissions dans l'infrarouge thermique. L'infrarouge, d'ailleurs on l'appelle thermique parce que c'est l'émission thermique du décor. Et c'est une émission énorme. Alors on ne veut pas que l'instrument lui-même émette. Donc on en a assez avec le télescope, l'atmosphère. Et d'ailleurs, on a des techniques d'observation très délicates.
pour justement voir un objet très faible dans ce fond énorme qui nous entoure partout. Comment tu vois le futur de Vizir? On est déjà en train de préparer la suite de Vizir. Et la suite de Vizir, c'est un Vizir dans l'espace. Ça sera pour 2012, donc toujours, faut s'y prendre 10 ans à l'avance. J'ai commencé depuis quelques années déjà à donner les spécifications scientifiques sur cet instrument. Et ça sera fabuleux, là. Mais c'est toujours une suite logique, hein. Petit télescope dans l'espace, grand télescope au sol, puis après grand télescope dans l'espace, mais encore plus grand télescope au sol, puisque l'ESO est en train de préparer des télescopes de 50, 100 mètres. Donc là aussi, il y aura de l'espace pour mettre un instrument infrarouge moyen qui sera après. Donc c'est toujours un aller-retour sol-espace avec une très bonne complémentarité. Toutes ces ouvertures qu'il y a partout, le fait que la monture est très dépouillée, eh bien, ça permet d'avoir le moins de différence entre l'intérieur du télescope et l'extérieur. Parce que si on a le télescope qui est dans un environnement complètement privilégié, sans aucun mouvement d'air, et qu'à la sortie du dôme, il y a plein de mouvements d'air, eh bien, les rayons lumineux bougent énormément. Ça provoque des perturbations et l'image est beaucoup moins bonne. Donc l'effet escompté, c'est comme s'il n'y avait aucun obstacle entre le télescope et l'extérieur. Hein, comme si on avait enlevé complètement la brise, ce qu'on ne peut évidemment pas faire, mais c'est un petit peu l'idée. Le télescope est maintenant opérationnel, donc on va commencer à faire les calibrations. Alors le télescope tourne pour se positionner vers un objet, qui est un objet qui est observé toujours le même à chaque début de nuit. C'est ça qui permet donc de voir si l'instrument et le télescope fonctionnent bien, c'est-à-dire savoir comment répond l'instrument en fonction de ce qu'il observe. Il est maintenant donc complètement dans son élément naturel, donc l'air. Il est à la même température que l'atmosphère extérieure, donc il est dans les meilleures conditions pour aborder cette nuit d'observation d'hiver d'une dizaine d'heures. Pour l'instant, je n'observe pas encore, car les objets que j'étudie sont encore trop bas. C'est-à-dire, je vais attendre qu'ils se lèvent dans le ciel pour qu'ils soient plus hauts, donc dans des meilleures conditions d'observation. Parce que s'ils sont trop bas, les rayons lumineux qui nous arrivent de ces objets vont traverser une grande quantité d'atmosphère, donc sont absorbés un peu par l'atmosphère. Et plus ils sont hauts, moins la quantité d'atmosphère traversée est grande, et donc mieux on les observe. Donc je vais attendre quelques temps, et en fait à peu près encore une heure avant de les observer. Et ensuite, je pourrais les observer à loisir jusqu'à en gros 3-4 heures locales. Alors là, on est dans la salle de contrôle de tous les télescopes, hein, les 4 télescopes, et divisés en petites salles. Et cette salle-là, donc, c'est celle qui contrôle le télescope numéro 3, ce qu'on appelle l'unité télescope 3. Et donc là, vous voyez typiquement cette salle-là, qui ressemble beaucoup aux autres, hein, aux 3 autres, qui est divisée en fait en deux parties. À gauche, c'est la partie gérée par les ingénieurs du télescope. Donc c'est eux qui vont contrôler vraiment tous les mouvements du télescope dans son ensemble. S'il y a des problèmes, c'est eux qui le voient, c'est eux qui les règlent, etc. Et nous, on n'y touche pas. Les astronomes n'y touchent pas. Et à droite, c'est la partie astronome. Alors, plus on s'éloigne par là, plus c'est la partie en amont. C'est-à-dire vraiment le choix de ce qu'on va faire comme observation. Non,
some kind of fishing. It depends if there is dust around or not. There should be a lot of dust and gas. If there is dust, it will be bright in the mid-infrared. If not. So. Will be there. Still not displaying. Yeah, but shown. Yeah. Elle sera moins brillante quand même que 16-31. De toute façon, on laisse. Elles sont toutes moins brillantes. Attends, là, il y a quelque chose. Généralement, quand on regarde, dans l'infrarouge moyen, on regarde des températures de l'ordre de 400 Kelvin ou des choses comme ça. À cette longueur d'onde-là, c'est à peu près ça. Ce qu'on regarde, c'est en gros donc l'ordre de 120 degrés Celsius. Et c'est donc des poussières ou du gaz qui se trouveraient autour de ce système-là. Bon, c'est assez faible, hein, mais ça correspond à peu près aux estimations. Là, on va faire une pause deux fois plus longue, de 20 minutes. Parce que là, on vient de faire 10 minutes. 10 minutes, ça sort, mais c'est très faible. On va faire 20 minutes pour voir si ça confirme ou pas. À tout à l'heure. La source, elle est là, là. Elle est vraiment bien détectée. On voit, là, c'est du bruit, il n'y a rien, pas de structure. Et là, on voit bien, c'est plus brillant, il y a du signal. Donc là, on est sûr qu'on a la source à 8 microns. Maintenant, on va observer dans un autre filtre, à en gros 11.5 microns. Voilà, c'est parti. C'est parti. Donc, c'est 20 minutes encore, hein, c'est ça ? Oui, on a remis 20 minutes. D'accord. Voilà, là on observe à plus grande longueur d'onde, voir si on la voit. C'est pas évident du tout qu'on la voit, hein. c'est un autre pari. Mais c'est vrai que si on la voit, ça confirme encore plus le fait qu'il y aurait de la poussière autour. Parce qu'en extrapolant, là, je pense qu'on est limite. Si on extrapole depuis l'infrarouge proche jusqu'à 11 microns, je pense qu'on est limite de. On n'est pas sûr de la voir. Par contre, s'il y a de la poussière, on devrait l'avoir à 11 microns. Donc là, c'est le suspense. Tu veux qu'on la refasse ou... Donc 20 minutes de plus là-dessus. Yeah. Another Et après, une référence. Yeah. Oui. C'est faible, hein. Ouais. Mais c'est là, détecté. C'est pas du tout même du 1 signal. Je sais pas combien c'est, mais c'est pas beaucoup. Non, mais du coup, ça fera 40 minutes. Non, on va refaire celui-là. Puis après la référence. J'ai observé pas mal de sources et il y en a pas mal qui sont visibles, détectées, certaines qui ne le sont pas, mais la plupart le sont. Donc ça, je crois que ça confirme assez bien ce que je pensais. Il y a que c'est vraiment des sources qui sont entourées par des cocons de poussière, de matière. Donc, je suis très content. D'ailleurs, je suis plutôt un petit peu dans l'expectative parce que j'ai de moins en moins de sources qui me restent observées. Et il faut que je choisisse un petit peu les sources qui sont les plus intéressantes dans le temps qui me reste avant que les sources soient plus visibles. Donc c'est pour ça que je deviens un peu plus nerveux.
Ça, c'est une source que j'avais déjà observée en infrarouge moyen et j'avais vu que c'était une source qui était assez étendue. Hein. Alors, bon, ce qu'on voit ici, donc, c'est de la poussière qui se trouve autour de l'un de ces microquasars, donc l'un de ces objets qui système binaire avec le disque d'accrétion qui va éjecter de la matière. Donc là, c'est vraiment, peut-être un nuage de poussière autour de cet objet-là. C'est joli, non? Oui, c'est très joli. Il faut augmenter le niveau de chopping, là. Oui. Et de nodules. Là, t'es peut-être une... Parce que regarde là, c'est tellement étendu, c'est terrible. Mais je crois qu'elles sont même plus... Ouais. Ouais, très joli, hein, des... Alors, bah, à ce moment-là, je l'arrête. Tu peux le... Il est loin. Bon, non, il est presque fini. Ouais, par contre, il va partir sur la planète. Can you stop the... Mais c'est pas mal. Can change it. Do you want to do it here? Okay, you can... Yeah, do it. C'est une source intégrale qui se trouve dans le bras de Norma. Donc, si il est dans le bras de Norma, il est dans la direction du bras. Mais s'il est dans le bras, c'est à peu près 6 kg par sec. Pour essayer de voir quelle était l'étendue. Donc là, ça fait en gros... Mais il est peut-être plus proche. Hein. Mmh. Il est peut-être plus proche, on ne sait pas. Alors attends. Parce que là, ça fait, disons... Chopping. 3 arcs secondes. Qu'est-ce que tu mettrais comme chopping? Chopping, ben, tu mets 15. 15. C'est le double, c'était 8. Je tu peux 8, mettre toi. 16, même le double. Hein. Ça ira plus loin. En perpendiculaire. En perpendiculaire. Il y a même des choses, là. Le chopping position angle, je laisse 0. Ok. C'est prêt? Yes. Et celui-là, tu savais qu'il était étendu comme ça? Je savais qu'il était étendu parce que je l'ai observé l'année dernière en JHK, j'avais la photométrie dessus, enfin des images, au NTT, et en J, il était très faible, en H, il commence à devenir un peu plus brillant, et en K, il était très brillant et commençait à être étendu. Mais je ne pensais pas que ça allait être aussi étendu que ça, c'est pour ça que j'étais resté sur le petite amplitude de chopping. Et là, il faut voir si c'est dû à des pH ou pas. On aurait fait un filtre, ça fait quoi comme filtre? pH 1, pH 2? Et que 2, je... Ouais, il faudrait peut-être en faire un entre les deux pour voir si c'est vraiment des... Oui, non, 2. Du coup, au lieu de faire le Q2, je fais le néon 2. Mmh. Ouais. Pour savoir l'origine, parce que des telles extensions, en général, c'est des petits grains qui sont chauffés de façon impulsionnelle. Et tu as pris les deux filtres où il y avait justement ces... D'accord, ces bandes, pour voir voilà, si c'est, voir aussi si c'est vraiment d'accord. Ces petits grains qui sont chauffés de façon impulsionnelle ou si c'est s'il y a du continu sous-jacent. Mmh. Joli. Donc ça, c'est, et dedans, il y a un microquasar. On voit des jets en radio. Il émet en haute énergie. Mmh. Et il est galactique, c'est pas une galaxie. Donc, donc après, la question, c'est d'où vient cette poussière? Est-ce qu'elle vient du microquasar ou d'ailleurs? Je suis content parce que normalement, mes objets, ils sont moches. Oui, là, t'en as un qui est joli. Très joli, même, ouais. Non, mais c'est vrai que, par exemple, ceux qui observent des galaxies, qui ont de belles images, c'est toujours plus plaisant que de montrer... Moi, si je montre... si je montre les objets que je j'étudie normalement, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'on voit une grosse étoile dans un champ. Vizir était fait pour ce petit objet, des objets un petit peu étendus et pas trop. Parce que sinon, il y a Spitzer, les sources ponctuelles, à la limite, ça pourrait être fait par le satellite Spitzer qui est en l'air. Par contre, il n'y a que Vizir qui peut avoir des étendues et les voir avec cette précision de résolution. Donc ça, c'est typiquement un objet Vizir. Donc c'est pour ça que c'est ton... Il faut faire plusieurs filtres. Hein. Je fais le Q2 aussi ou tu crois que c'est pas la peine? Ah si, okay. Un objet comme ça, la totale. Hein. Comme quoi, les pour essayer de comprendre. Hein. Non mais le néon, est-ce que c'est... On peut faire le néon 2, est-ce qu'il y a du gaz ionisé? Est-ce qu'il y a de... Oui, soufre 4, tout ça. Non, il y a beaucoup de choses à faire hein, pour comprendre d'où vient cette étendue. Hein. Ah bah tiens, je suis content de voir ça. Moi aussi.
ce dernier objet que j'ai observé, qui s'appelle donc IGRJ16393-4643. J'ai pu l'observer donc dans plusieurs filtres. Et ça a confirmé le fait que donc il y a beaucoup de poussière qui entoure cet objet-là. Et la poussière qui a l'air assez froide, puisque même en l'observant à de grandes longueurs d'onde, vers 20 microns, eh bien on a quand même un signal qui est assez important. Donc il faudra voir plus précisément après quelle est la contribution de cette poussière à ces différentes longueurs d'onde-là. Donc là, je vais lancer maintenant une étoile de calibration, donc le standard de référence pour pouvoir calibrer les différents filtres. On voit ici Apex, une antenne de 12 mètres de diamètre, qui est le prototype des 64 antennes de 12 mètres de diamètre aussi chacune, qui formeront l'ensemble ALMA, Atacama Large Millimeter Array, donc le réseau millimétrique de l'Atacama. On voit ici donc une antenne qui est différente de ce qu'on a vu jusqu'ici, puisque les télescopes de la CIA ou de Paranal étaient des télescopes optiques ou infrarouges. Ici, on a affaire à un télescope qui va observer dans le domaine submillimétrique et millimétrique. Et donc, on voit devant nous un radiotélescope. Alors, les astronomes qui observeront ces étoiles seront dans le campement de base qui se trouve à 3000 mètres, donc 2000 mètres en dessous de nous. Car évidemment, travailler ici à 5000 mètres est difficile. Donc, il y a un minimum de personnes sur place. Hello, I'm Sigma Shati. Hi, Andreas Lundgren. So, what is your work here? I'm an astronomer here at the APEX projects. We have a radio antenna. The diameter is 12 meters, and we usually look at wavelengths that are longer than what they normally look in optical telescopes.
we look at wavelengths in the order of 1 millimeter. And because of this, we want to be as high as possible, because what mainly is disturbing our observations is water, mm-hmm. water content in the air. And the higher up you go, the drier the atmosphere is. Yeah. And so these calibrations and observations that you are doing will be useful for the other antennas, the 64 antennas of ALMA? Absolutely. We're opening a new window. Nobody's been observing in these wavelengths anywhere in the world. And what kind of science are you doing with APEX now? Mainly what we are looking at is cold gas in the universe. You work here all day? No, we only work limited hours because okay. the altitude could be dangerous. And can you concentrate easily at this altitude? It's very easy to make mistakes because of the low yeah. oxygen content of the air. But we have oxygen yeah. bottled form, which we carry around us normally, especially if you would do something complicated like observation yeah, or sure. doing something to the instruments. We need to carry oxygen. So you plan to work here for a long time? Or? Well, as long as I may. Okay. Okay. Do you enjoy working here? I really enjoy working here, yes. Because you are the front of the science here. That's the frontier of the science. Yeah. A bit desolate, perhaps, but it's certainly a different year. Okay, thank you very much. Thank you.